Salut à tous et bienvenue dans un nouveau retour de course, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine ça va être un peu particulier puisqu'il y a une bonne partie, on va dire la moitié des courses, peut-être pas la moitié mais si bonnement la moitié des courses, c'est pour la semaine prochaine puisque nous partons en vacances. Donc normalement la semaine prochaine vous n'aurez pas de retour de course, voilà tout simplement. C'est les vacances, donc ben, pour une fois pas de retour de course. J'en suis navrée, je pensais faire un drive sur place et le chat a préféré qu'on prenne une grosse partie là, tout ce qui était sec et tout qu'on pouvait emmener. Le prendre là et le frais de prendre là-bas. Donc du coup, je ne pense pas vous faire un petit retour de course avec un tout petit peu de frais. Je vous inclurai juste après les menus des vacances. Voilà, parce que je ne les ai pas là sur moi et je ne me rappelle plus exactement, même si je pense pouvoir retrouver. Enfin bref. Donc c'est parti pour la semaine prochaine, les menus. Donc au petit-déj, c'est crêpes avec un milkshake banane et de la confiture. Pour le déjeuner, c'est une tarte tomate basilic et feta, de la viande de grison et une boule de glace vanille avec une compote. Pour le goûter, c'est compote et yaourt, voilà. Le soir, c'est citron farci avec du pain, chèvre et du melon. Le mardi, c'est brochette de gambas marinée au risotté avec une verrine de fromage blanc compote. Le goûter, c'est pareil que le lundi. Pour le dîner, c'est wok de nouilles aux légumes avec du pain grillé, de la cangouillette et une crêpe à la confiture. Le mercredi, c'est un barbecue avec des légumes à côté, du pain, du comté, du melon. Le soir, c'est pain perdu au camembert avec du pain, de la cancoyote et des abricots. Je ne pense pas prendre le pain et la cancoyote, hein. C'est le menu, mais je ne pense pas le prendre parce que clairement, j'aurai largement assez avec la salade. Ensuite, le jeudi, c'est pâte aux trois fromages avec une compote et des spéculoos. Le soir, c'est salade de riz au thon avec un yaourt, du chèvre et une boule de glace vanille. Le vendredi, c'est salade de radis rose, laitue parmesan avec un croque camembert aux pommes, une compote sans sucre ajouté et des petits beurres. Le soir, c'est riz aux crevettes avec un yaourt aux fruits et deux abricots. Et le samedi midi, c'est une quiche légère. Je ne sais pas ce qu'on mangera le samedi soir. Et le dimanche, et ben, le dimanche, nous partons. Donc du coup, je n'ai pas prévu de repas sur mon planning, mais je sais déjà ce que nous allons faire. Donc, ça c'est pour la semaine. Après, pour les vacances, il me semble qu'il y aura une salade d'endives, comté, noix. Il y aura une salade de riz avec du thon, du maïs et des tomates. Il y aura une salade de pâtes et il y aura un wrap au poulet, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le reste, on ira au resto. Le dimanche midi et le vendredi midi, ce sera sandwich. Donc c'est parti, je vais vous montrer le frais, comme ça je le range parce qu'il fait déjà chaud, il est... Je sais pas, il doit être 7h30, il fait déjà chaud. Donc c'est parti. J'ai repris du parmesan râpé, celui-là, le Bio Village. Il est super, super, super bon. Honnêtement, il est un peu plus cher, mais il est meilleur que les autres, je trouve. Donc du coup, j'en ai repris. J'ai repris du camembert comme ceci en portion. Ça, c'est juste tip top, ça fait 30 grammes, c'est pile poil la portion. Et ça vous évite de tout ouvrir. Et je crois que ça va super loin. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la date va loin. Si je trouve la date, tac, ah non, ça va pas si loin que ça. Bref, ça va jusqu'au 5 juillet. Donc du coup, j'ai repris un camembert comme ça. J'ai pris une mozzarella. J'ai pris de la cancoyote en individuel comme ça, elle est très bonne. Je voulais prendre à l'ail et puis après je me suis dit, oh non, prends celle-ci, donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris du comté, j'ai pris entremont celui-ci, puisque l'autre, il n'y avait plus de disponible, donc du coup, j'ai pris celui-là. Deux petits sachets de comté à râper, je vais en congeler un. C'est pas la peine que je garde les deux. À moins que ça aille loin. Oh oui, jusqu'au 5, le 5 août. Donc ouais, c'est bon, je peux le garder. J'ai repris du gruyère puisque nous allons faire des pâtes et que quand nous rentrons, nous allons faire des faritas. Donc du coup, j'ai pris un lot de 3 petits paquets de gruyère. Vous savez, nous on prend ceux-là. C'est super pratique. C'est des 70 grammes si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, pour nous, c'est super pratique. Et j'ai pris pour faire les sandwichs pour dimanche midi du Lerdammer, le moelleux, voilà, pour mettre dans les sandwichs. On va faire des sandwichs fromage, jambon, salade si on veut. Et puis voilà, ce sera parfait. Pas besoin de plus. Ensuite, j'ai repris de la viande de grison. J'ai repris du jambon pour les sandwichs. Il me semble qu'il m'en faudra à nouveau. J'ai pris de la viande hachée que je vais congeler. Ça, c'est pour les faritas. Voilà. C'est tout. Ah non, j'allais oublier. J'ai repris des yaourts au caramel pour le chat. Des yaourts à boire à la vanille pour moi. Ceux-ci sont très très bons.
Et il me manque, bien évidemment, comme d'habitude, Audra, il me manque quelques trucs qui nous manquent. 4 yaourts panis Yoplait à la cerise, comme je prends d'habitude. Il nous manque des mini bûchettes de chèvre. Il nous manque du. La feta. Et. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? De la roquette. Enfin, de la salade. Il me manque la salade. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait pour le frais. Donc je vais ranger ça et je vous retrouve après pour l'heure. Ensuite, pour ce qui est du sec, donc il y a pas mal de sec. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Donc c'est parti, je vais commencer avec les gâteaux. Donc j'ai pris des génoises agrumes, vous savez c'est le genre de pims. Des genres de pims. Donc là ceci c'est à l'orange, c'est la marque Petit Déli. On adore avec le chat, donc ça pour les vacances on se fera un petit goûter avec ça au cottage, tranquille ou après la piscine. Pour cette semaine il me fallait des petits beurres, donc j'ai pris ceux-ci, ils sont emballés individuellement, donc ça c'est cool, s'il m'en faut j'en aurai d'avance, en plus je pense que ça va loin. Oui, 31-10-2020, il y a le temps, donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut que je prenne un sac. Je prends un sac. Hop. Voilà. Moi, comme ça, je range en même temps. Donc ça, ça va dans le placard. Ensuite, j'ai pris pour les vacances de la sauce salade allégée, ça c'est pour le chat. J'ai pas envie d'emmener ma moutarde, mon huile, mon vinaigre, quoique j'ai quand même emmené de l'huile. Ensuite, pour les vacances, toujours du maïs, donc je vais en mettre une boîte pour les vacances et le reste je vais le ranger. Au moins, comme ça, ce sera fait, j'en aurai, et il m'en faut pour les vacances. Ensuite, toujours pour les vacances, bien évidemment, le Nutella. Donc là, j'ai testé la pâte à tartiner sans huile de palme, bio et équitable. Je ne l'ai jamais goûté, c'est Alter Eco. Je connais pas du tout. Je pense qu'il doit être bon. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais goûté. Donc c'est celui-ci. Dites-moi si vous connaissez. Donc voilà, on va goûter celui-là. Il n'y avait plus le Léa Nature que je prends d'habitude. Donc du coup, j'ai pris celui-là. En plus, c'est bien, c'est un petit pot. J'ai repris une confiture de fraises, pareil, c'est pour emmener en vacances, puisque nous n'emmenons pas la glacière. Donc je ne vais pas prendre celle que j'ai dans le frigo, parce qu'elle, elle est au frais, donc... Ça serait un peu dommage de casser la chaîne du froid. Ensuite, toujours pour les vacances, j'ai repris des pâtes, des petites torsettes pour faire la salade de pâtes. Je pense pas emmener le paquet, hein. je vais prendre dans un tupperware. D'ailleurs, j'ai acheté des tupperwares exprès. Ensuite, ça c'est pour cette semaine, il me fallait des nouilles chinoises, donc j'ai pris des nouilles chinoises. Voilà, j'ai comme ceci. On verra bien si elles sont bonnes. Ensuite... Toujours pour les vacances, j'ai pris quelques petits biscuits apéritifs pour se faire un petit apéro si on en dit ou quoi, c'est les vacances. Hein. Donc j'ai pas pris 15 000 trucs, hein. J'ai pris 3 trucs, j'ai pris des pétales goût salé, genre des chipsters, voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris des triomix nature ou emmental. Donc voilà, on va goûter pareil, ça je pense que ce sera pour le voyage, on verra. Et j'ai pris des Monster Munch goût salé. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas mangé, donc voilà, je vais prendre un petit truc pour marquer le coup des vacances, voilà. Ensuite, j'ai pris du jus de citron, donc du jus de citron vert, du jus de citron jaune, ça c'est pour la semaine et les autres semaines à venir. J'ai pris un kit à burritos, ça c'est pour le vendredi soir quand on rentrera, au moins comme ça, on fera plaisir au chat et à moi aussi. Et ce sera vite fait. Ensuite, j'ai pris pour les goûter, pareil en vacances, des pains au lait avec la barre de chocolat dedans. Donc aux vacances ou petit-déj, voilà, ceux-là ils sont très très bons. Donc j'emmènerai ça également. Ensuite, ça sera pour faire nos sandwichs. C'est des demi-baguettes de campagne pré-cuites de la marque Bio Village. Donc j'espère qu'elles sont bonnes. Donc je vais faire les sandwichs le dimanche matin avant de partir, voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai repris du riz parce qu'il m'en faut pour mes salades. Et il m'en faut à la maison puisque je n'en ai plus d'avance. Donc voilà, j'en ai repris 2 paquets. Ceux-là, ils sont top. C'est le basmati marque repère. Il est juste trop trop bon. J'ai repris toujours pour les vacances des olives. Il me fallait des olives. Bon, je pensais pas que c'était un bocal. Je ne sais pas si je vais les emmener. Au pire, je les aurai d'avance. Donc je pense que je vais les garder à la maison. Et j'en rachèterai pour... j'en rachèterai là-bas sur place pour les vacances. Ce sera mieux. Ensuite, pareil, pour les vacances, il me faut des noix pour ma salade d'antifrontée noix. Donc j'ai pris des petites noix, au moins comme ça, ça c'est fait. J'ai repris du café soluble pour le chat, ça c'est pareil, c'est pour les vacances. Le carte noir classique, voilà, que je vais remettre dans son pot qu'il a fini. Pour cette semaine, du pain de mie, puisqu'il me fallait du pain de mie. Ensuite, des tortillas de maïs, ça c'est pour faire la quiche légère de samedi midi.
Donc voilà, j'ai pris des tortillas de maïs. Donc de toute façon, je vais les congeler, bien évidemment. Le reste, je congèlerai. J'ai pris pour les vacances, puisqu'on va faire des wraps. Voilà, il y en a 6. Alors je ne sais pas trop comment on va faire. Peut-être que le chat mangera 2. Je ne sais pas. Ma foi, on verra bien. Donc, des wraps. Ensuite, toujours pour les vacances, j'ai pris un petit paquet de. Enfin, des chips. Ça, c'est pour le pique-nique. Donc voilà, on en prendra 4. Bon, on les prendra les 6 et puis voilà, on verra bien. Ou les 4, je ne sais pas encore. Je nous ai pris pour nous faire plaisir dans la voiture un petit paquet de bonbons. Donc, ils ne sont pas donnés, c'est des bio, c'est des oursons arômes naturels. Donc on va goûter, fabriqué en France. Voilà, un petit paquet de bonbons. Voilà, ça c'est pour le petit plaisir. Je me suis pris 4 compotes comme ça, qui n'ont pas besoin d'être trop frais, pareil, pour emmener en vacances. J'ai repris de la moutarde puisque je n'en avais plus, tout simplement. Et j'ai pris un paquet de farine, comme ça, voilà, de la farine. C'est tout ce que j'ai pris. Ah non, et j'ai repris, enfin j'ai pris, pardon, de l'huile de noix. Voilà, de l'huile de noix, j'en avais pas, il me faudrait de l'huile de noisette, mais il n'y en avait pas sur le dry. Donc voilà, ah, j'ai repris des œufs. Des œufs, j'ai repris 6 œufs. Donc voilà, je range tout ça et je vous retrouve après pour le reste des courses. Ensuite, en fruits et légumes, pardon, ça me pique le nez. J'ai pris. J'ai pris des citrons, parce qu'il m'en faut pour les citrons farcis. J'en ai pris 3. Voilà, 3 citrons. Ensuite, j'ai pris des abricots. J'ai pris 500 g d'abricots, comme ceci, des petits abricots. Donc j'en ai 500 g qui vont aller au frigo. Ensuite, j'ai pris un melon qui sent super bon. On l'a oublié du sac. Voilà, donc un melon. Ensuite, des petites tomates cerises comme ceci en grappe. Une botte de radis. Parce que j'ai une salade de radis à faire. Ensuite, des oranges à jus. J'ai repris, bien évidemment, puisque je vais avoir beaucoup de milkshake bananes. Des bananes, mon kilo de bananes, bien évidemment, comme d'habitude. Je crois qu'il n'y a pas un seul retour de course où je ne prends pas des bananes. Ensuite, j'ai pris des tomates allongées comme ceci. J'en ai pris 500 grammes et j'ai repris un concombre. Mais concombre qu'on ne finit jamais. Oui, je sais, c'est pas bien, c'est du gaspillage. Donc voilà, je range ça et je vous retrouve après pour le reste des courses parce que c'est pas. Ensuite, c'est parti pour les boissons. Donc j'ai repris 2 sirops de pêche puisque les autres on a d'avance, donc il y en aura une qui partira pour les vacances et une pour nous puisqu'on n'en a plus. Ensuite j'ai repris un petit pack de lait et j'ai pris 2 packs de petites bouteilles d'eau. Ensuite pour ce qui n'est pas du frais, enfin des courses, j'ai pris un lait après soleil hydratant apaisant de chez Garnier, l'aloe vera naturel. Voilà, pour emmener en vacances, parce que je me suis dit, si on avait des coups de soleil, et ils sont plutôt bons, donc ça c'est plutôt bon signe. Et ensuite, j'ai repris des boîtes Tupperware comme ça, Eco Plus, ça c'est pour emmener les pâtes, le riz, tout ça. Donc voilà, ce retour de course est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Moi je vous dis à dans 15 jours, je vous fais des gros bisous, profitez bien de vos vacances, et à bientôt. Bisous.